Ben, vous savez, on savait que ce serait un match pour nous compliqué tant qu'on n'arriverait pas à faire sauter le verrou de Chambly. Après, ils sont venus, ils ont fait leur match, ils ont été très très solidaires, généreux dans la dépense, donc tout ce qu'on imaginait. On a quelques situations quand même, notamment en première mi-temps, de pouvoir ouvrir le score. Une tête à tête quand même un peu excentrée, mais de JT. On a un corner qui passe très 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 près. Enfin bon, différentes choses. Ça aurait été pour nous un peu plus facile, voilà. Mais après. On n'a pas réussi ce soir à faire sauter le verrou. Quel que soit le système, à un moment donné, voilà, c'était compliqué pour nous. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés offensives quand même à créer, même s'il y a eu des situations sur l'ensemble du Oui, match. non, on n'a pas C'est créé. trop peu pour. Ouais, on n'a pas créé grand-chose. On a eu du mal à utiliser les côtés, mais attention, l'adversaire a tout bien bouché, comme on dirait. Donc c'était compliqué aussi pour nous de trouver la faille. C'est pas si facile que ça. Paradoxalement, c'est vrai que dans le 3-5-2, on ne vous a pas vu beaucoup sur les côtés. Jérôme Mombry, c'est un des rares matchs qu'on a vu aussi peu. Ben oui, on l'a vu mieux quand Peut-être la Arsène. peur d'adaptation, peut-être. Non, mais c'est que l'adversaire a bien défendu surtout, et que voilà, c'est beaucoup de générosité pour fermer les espaces qui peuvent s'ouvrir. Donc partant de là, c'est vraiment ce qui nous a manqué ce soir, de trouver des espaces dans le cœur du jeu, de trouver des espaces dans la défense qui jouait assez bas, et de trouver des espaces sur les côtés qui étaient bien, bien fermés. Donc il faut aussi féliciter l'adversaire de nous avoir bien cadenassés. Quel bilan tu tires de cette perte de jeu avec ce nouveau système? Rien, je tire pas de bilan, on n'a pas pesé offensivement, enfin beaucoup moins que je pensais, on a manqué de jeu combiné, on avait un trio quand même assez intéressant entre Ondane, JT et Benet. On a difficulté à se mettre dans le sens de la marche, mais bon, vous savez, voilà, l'équipe de Chambly aussi, c'est beaucoup de joueurs autour du porteur du ballon, une grosse densité qui fait qu'à un moment donné, soit il faut jouer très très juste, soit il faut profiter des déséquilibres quand on peut en trouver. On n'en a pas trouvé suffisamment. Déception Ouais, ce deuxième but-là là, c'est une sur. frustration parce que notre match est pas. Voilà, si, c'est un match qui est sans relief, je dirais. Ouais, on n'a que trop peu réussi à emballer les opérations et à faire vibrer un peu le public, le stade. Donc voilà, c'est frustrant des matchs comme ça. Mais bon, voilà, il faut aussi passer par là de temps en temps. On peut même le perdre à la fin, ils ont une grosse occasion de but. Il y a eu une réaction assez forte quand même du public aujourd'hui. On n'avait pas vu ça. Bon, c'est normal, ils veulent voir du spectacle, donc je suis pas du tout choqué par rapport à ça. Ils sont là pour nous encourager, ils ont le droit de montrer aussi quand ils sont déçus, mais bon, après, voilà, il n'y a rien à enlever non plus au comportement des joueurs. On n'a pas vu ce soir, on n'a pas vu de feignants, on n'a pas vu de gens qui faisaient pas le job. Ça a été simplement compliqué de trouver un peu de place. Il faut que les gens le comprennent aussi. Je regarde le calendrier avec les adversaires à venir. D'élever un petit peu son niveau Oui, mais de après les adversaires, de toute façon, il faut tous les jouer. Et puis les adversaires qui. On aura certainement plus de place contre Le Havre ou à Troyes ou encore peut-être plus à Lens. Donc ça sera à nous d'en profiter. Ce sera d'autres matchs, à chaque match sa vérité. Voilà. Chambly, c'est solide, c'est costaud, ils sont sur une bonne dynamique. Une équipe qui à nouveau prend peu de buts. Donc voilà, c'est leur fonds de commerce, ils ont raison. Et ils ont pris un bon point ce soir, qui est mérité pour eux. Et voilà. Merci. Bonsoir. Oui, ça a été un bon match. Dans l'ensemble, assez bien maîtrisé. On n'a pas tellement concédé d'occasion. On a même plutôt flirté avec un but de notre côté sur la fin. Mais bon, ça nous satisfait amplement. Non, bah Philippe, on avait compris qu'ils allaient faire le 3-5-2 par rapport au dernier match de préparation et en semaine. Mais après, voilà, il a essayé. Comme je l'aurais fait certainement, de gagner le match, donc de changer de système. Mais voilà, nous aussi, on est repassé dans un système qui pouvait contenir le sien. Donc voilà, ça s'est bien neutralisé. Vous vous produisez un peu comme ce que vous avez espéré,
Ouais, pour l'instant, ouais, bah, pourvu que ça dure, parce que là, on va rentrer dans notre championnat, avec les trois prochains matchs qui arrivent, c'est des adversaires directs, donc on aurait la bonne idée de prendre les mêmes points qu'on avait pris au match aller, et ça nous ferait du bien, ça nous ferait avancer. Oui, les regrets, il y en a toujours, voilà. Après, c'est pas passé loin deux, trois fois, mais faut cadrer, hein. Le gardien n'a pas fait d'arrêt, donc à partir de là, à côté, c'est presque, mais c'est pas assez. Faut au moins trouver le cadre. Donc, on aurait signé pour ce point. Voilà, faut se satisfaire. Il y a parfois des matchs où on raflera la mise alors qu'on jouera peut-être moins bien que ce soir. Ça reste un bon 0-0, un peu comme au match aller. Donc, on est satisfait avec ça. Ok, merci, bonne soirée.